C'est une chanson de bord de mer, couleur pluie, brume et gris, de fin de nuit, de fond de bière, vie de lendemain, vert de gris, amour d'un jour, amour et misère, sur deux cornes qui pleurent et rient. C'est la nuit battant des paupières dans une bouteille vide à la mer. Moi, je pense que l'aspect narratif de la musique, c'est surtout le texte, qui est la roue du moteur et le bateau, c'est la musique. Alors, un ne va pas sans l'autre et il faut que les deux s'amalgament ensemble. Il faut que ce soit vraiment une histoire d'amour qui se passe entre le texte et la musique pour que cela fasse quand des étincelles. Je ne sais plus d'où je suis. Je m'appelle Sandra Lecouteur, je suis une interprète de la chanson. Je repars vers la vallée, là où aucun loup ne suit. J'apprends une chanson. Tout début, il faut que la chanson me parle, me rentre dans le cœur, il faut que ce soit un coup de foudre. Je commence par décortiquer le texte. Vers celle qui m'a vu naître, il faut que, si c'est une chanson qui vraiment qui est touchante, il faut que je la pleure. Ensuite, je pars avec elle, je la marche. Pour la mémoriser, je fais le processus, le rythme du pas. Et j'aime beaucoup aller sur le bord de la mer. Et je donne ça à la mer me renvoie les embruns. Après ça, je les fais sécher. J'ai une corde à linge que je mets dans la maison ou autre et je suspends la chanson dessus et pour qu'elle soit sèche, elle doit être sèche avant que je monte sur scène avec. Il y a des chansons qui m'ont pris des années à apprendre. Le conseil que je voudrais donner aux artistes émergents, c'est une question à 25 $ celle-là. C'est avoir beaucoup de patience, du courage, de la passion. Être capable de prendre la critique et de mettre les efforts, de faire prendre des cours de chant, des cours d'interprétation, des cours de scène, des cours d'interprétation sur scène. Ne pas attendre qu'on cogne à la porte, cogner soi-même aux portes, se vendre. Mais être vraiment amoureux de ce qu'on fait, et puis surtout la patience. Ça me touche de recevoir ce prix-là, le prix du gouverneur général pour les arts de la scène, parce que c'est le prix le plus prestigieux de la province. Et reconnaître ce que je fais, parce que moi je suis une interprète, puis un interprète, c'est comme pas reconnu dans mon métier, parce qu'il faut vraiment que tu écris tes chansons, il faut vraiment que tu composes, sinon, t'es à part. Mais moi, je dis toujours qu'un acteur, il joue Shakespeare, il joue des textes qu'il n'a pas écrits, il joue les textes des autres. Moi, c'est ça que je fais, mon métier. Je chante les textes des autres. Mais j'ai été très touchée, très honorée qu'on reconnaisse mon métier. Ah non, je suis émue, puis je suis tellement fière, là. Je suis contente.